Pour cette rentrée littéraire de 2021, je vais vous présenter l'aide de Caryl Ferret. Alors, il y a 2 ans, Caryl Ferret a écrit un livre qui s'appelle Norilsk. Norilsk, c'est la ville la plus au nord de Sibérie, l'une des villes où la température est la plus basse et où le taux de pollution est le plus élevé. C'était un ancien goulag, donc c'est vraiment la ville où on n'a pas trop envie normalement de partir en vacances. Et 2 ans plus tard, Caryl Ferret écrit cette fois-ci un roman donc, qui s'appelle LED. Alors LED, ça veut dire glace en russe. Et c'est un super bouquin où on apprend plein de choses sur la Russie de cette époque. Ça commence d'une manière assez classique, c'est-à-dire qu'on a 2 meurtres qui, à première vue, n'ont rien à voir en commun. En fait, on retrouve le cadavre d'un nomade retrouvé dans les décombres d'un immeuble et la cousine de la femme du commissaire est également retrouvée décédée. Et du coup, ces deux enquêtes vont se croiser et c'est vraiment un livre très prenant. Voilà, on apprend plein de choses. C'est vraiment dans le style de Caryl Ferret, c'est-à-dire une foule de personnages qui et chaque histoire vont s'imbriquer l'une et l'autre. Donc pour moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur de ce début d'année.